enfants, j'espère que vous êtes en forme. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième séance de Taekwondo spécial confinement. Voilà, aujourd'hui, je suis accompagné de Cédric, je fais une petite pause. Et on est donc du coup avec Pauline. Donc, il y en a certains d'entre vous la connaissent. Hein. Elle aide Cédric pour les entraînements. Et donc, c'est elle qui va m'accompagner aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, séance spéciale renforcement musculaire et coup de pied marteau, coup de pied poussé. D'accord ? Pour la séance, vous aurez uniquement besoin donc d'une chaise et d'une raquette, et comme d'habitude, si vous n'avez pas de raquette, hein, le coussin, ou alors on travaille dans le vide. Et des chaises, hein, j'imagine que tout le monde a au moins une chaise à la maison, je pense que vous allez vous en sortir. D'accord ? Donc n'hésitez pas à la préparer, là, hein, vu qu'on n'a pas encore commencé la séance, vous faites un petit coup de pause, vous mettez la chaise de côté, et on s'en sert tout à l'heure. Allez, c'est parti, on y va pour l'échauffement, on sautille tranquillement. J'espère que vous avez bien suivi toutes les séances. Comme d'habitude, hein, que vous gardez votre rythme d'une fois par semaine et que vous vous entraînez avec votre dobok. On commence à mettre la tenue. Allez, on réveille le corps tranquillement. Soufflez bien. On est relâché, détendu. Ça va, Pauline, en forme ? En forme. Et toi ? Ça va. Allez, un petit peu plus large sur les côtés. On inspire bien avec le nez. On souffle avec la bouche. Ok, allez, on sautille normalement. À mon signal, on va faire talons aux fesses. Comme d'habitude, on commence tranquille. Et à mon top, on accélère un petit peu. Allez, talons aux fesses, doucement, sans se fatiguer. On souffle bien. Et à mon top, on accélère. Allez, top! Et on sautille, on relâche. Okay. Même chose, là, prochain tour. On commence, montée de genoux tranquille. Et au top, on accélère. Allez, c'est parti, montée de genoux. On va jusqu'à la ceinture, pas la peine d'aller trop vite. On inspire bien et top, allez, on accélère. On souffle bien. Et on sautille, on relâche. On profite de ce moment-là pour bien récupérer, reprendre son souffle. Allez, au prochain, on va piétiner par terre. Et pareil au top, on piétine à fond. Faites attention aux voisins. Allez, on piétine, c'est parti. On piétine, pas trop vite, des tout petits pas. Et top, c'est parti à fond. Allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et on sautille, on relâche. Prochain exercice. Jumping jack, donc ici, hop, comme ceci. On commence doucement. Allez, go, c'est parti. Tranquillement. Pas de vitesse. On s'habitue au mouvement et au signal, allez, top, on accélère. Et on relâche. Ok, cette fois-ci devant, derrière. Allez, go, c'est parti, doucement, facile. Et top, allez, on accélère. Rapide, rapide. Et on sautille. Allez, cette fois-ci, on sautille en garde. Un signal, on change de garde. Allez, un. Et on est rapide. Deux. On change. Trois. On change. 4.
5. Accélère un peu. 6. 7. 8. 9. 10. Et on relâche. On relâche un petit peu les jambes. On vient faire des grands cercles avec les bras. Ça va, Pauline? Tu tiens? Ouais. Tranquille. Tu t'es entraînée pendant le confinement? Ouais. T'as fait toutes les vidéos? Toutes. C'est bien. Je suis une bonne élève. Dans l'autre sens. Ok, on relâche. Bien. Alors, on va passer maintenant à un petit peu de renforcement musculaire. Donc, on va travailler en pyramidal. Le pyramidal, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. On commence avec une répétition. On souffle un peu, ensuite deux, on souffle un peu, ensuite trois. Et on augmente comme ça. Là, mais aujourd'hui, on va aller jusqu'à 5 et redescendre jusqu'à 0. D'accord ? On commence avec les squats, c'est facile, on se met en position. Donc les squats, j'ai les jambes écartées, d'une largeur de hanche ou d'épaule. Je peux mettre les pieds légèrement ouverts. Et ici, je descendrai bien droit. D'accord ? On commence avec une, on souffle et on enchaîne. Allez, c'est parti. Allez, 1. Ok, on relâche. Ceux qui sont en forme, qui veulent continuer à rester au chaud, vous continuez à sautiller, hein, il n'y a pas de souci. Allez, 2, 1, 2. On souffle, on peut relâcher un petit peu les jambes si ça brûle un petit peu. Là, normalement, on est au début, ça devrait aller. Allez, 3, 1, 2, 3. Ok, on se prépare pour 4. Allez, 4, 1, 2, 3, 4. On relâche. On profite pour reprendre son souffle. Allez, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on est arrivé au sommet de notre pyramide. Maintenant, on redescend. Donc, on passe à 4. Allez, go. 1, 2, 3, 4. Allez, on tient avec le sourire pour 3. Allez, top. 1, 2, 3. On passe à 2, 2, allez, 1, 2, on récupère, et la dernière, 1, ok, fini pour les squats, pour le moment. Là, on va passer directement, on a fait le bas du corps, on passe au haut, on va travailler en pompe. Donc pareil, une pompe, on souffle un petit peu, 2, 3, 4, 5, et on redescend, jusqu'à revenir à 0. Allez, récupérer 2 petites secondes. Si jamais les pompes, hein, sont trop difficiles, on n'oublie pas, on peut tout à fait se mettre sur les genoux. Par contre, si on se met sur les genoux, on ne met pas les fesses en arrière. Il faut bien allonger le corps pour rester bien droit. Et là, on peut travailler, il n'y a aucun souci. Allez, en position pour la première pompe. Prêt? Tout le monde le dos bien droit. Allez, 1. Ok, on pose. On souffle un petit peu. La récupération ne va pas être très, très très longue. On est reparti pour 2. Allez, attention. Allez, go. 1, 2. On pose. Ceux qui ont l'habitude de faire des pompes, qui sont très à l'aise, vous pouvez même rester en position de pompe, hein, entre les séries. Allez, pour 3. Allez. 1, 2, 3. Ok, on souffle. On peut faire des petites rotations si jamais ça brûle un petit peu. Pour 4, allez, 1, 2, 3, 4, on souffle, on arrive au sommet de la pyramide, pour les 5, allez, go, 5, allez, 1, 2, 3, 4, 5, on souffle, on récupère, et maintenant on redescend, en position pour 4, prêt, allez, go. 1, 2, 3 et 4. On souffle. C'est chaud, hein? Pour 3. Allez, 1, 2, 3. On s'accroche, il nous reste 2 et 1. Plus 3 qu'on va faire. Pour 2. Allez, 1, 2. On pose. On termine. Pour 1, allez, 1, et on se remet debout.
Bien. On va alterner là. On va commencer avec les squats bas du corps. On va enchaîner avec les pompes haut du corps. On va retravailler un petit peu les jambes, cette fois-ci en fente. Donc on va faire 10 fentes. D'accord ? Enfin, 10 fois les deux jambes. Quand on sera au sommet de la pyramide, on commence bien sûr par une fois les deux jambes. À chaque fois, je compte 1, vous faites les deux jambes, pas une seule. En position, donc les fentes, je rappelle, là, ici, on descend, on ne vient pas écraser le genou au sol, les gens vont se faire mal, on s'arrête avant, juste là, à la limite du sol, et on repart. Allez, pour un de chaque jambe, en position, allez, hop, une jambe, je change, et je reviens. Allez, pour deux, une fois d'un côté, une fois de l'autre, encore, ok. Allez, trois de chaque côté. Allez, un, un, deux, deux, trois, trois, on souffle. On se prépare pour quatre de chaque côté. Allez, go. Un, un, deux, deux, trois, trois, quatre, et quatre, on récupère. Allez, on s'accroche, hein. On garde le sourire. On est prêt pour 5. C'est parti. De chaque côté. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. On garde le dos bien droit. 4, 5, 5. Bon, ça commence à chauffer un petit peu, hein. Légèrement. Allez, on atteint le sommet de la pyramide. On redescend pour 4 de chaque côté. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, et 4. On secoue, hein, on n'hésite pas hein, si ça brûle trop. Alors on a fait le plus dur. Il reste 3, 2, 1, c'est le plus facile. Allez, 3, de chaque côté. 1, 1, 2, 2, 3, et 3. On souffle. On arrive au bout. Pour deux, allez, go. Un, un, deux, deux, on souffle. Et la dernière, allez, tout de suite. Un, et un. Ok. On relâche les jambes. Super. Très, très bien. Allez, les enfants. Là, on est bien échauffé, il fait bien chaud, on a bien échauffé les jambes, bien échauffé le haut du corps. On fait une petite pause, on va boire un coup et on se retrouve dans 2-3 minutes. A tout de suite. Ok les enfants, donc j'espère que vous avez bien bu. Là, on s'est bien échauffé, on passe maintenant aux étirements. D'accord, donc on écarte un petit peu les jambes, on ne perd pas de temps. Et on va chercher une fois de chaque côté avec la main posée. Allez, go. On souffle bien. J'espère que vous n'avez pas pris une trop longue pause, hein, il faut rester chaud. On garde les jambes bien droites. Et on maintient sur la jambe gauche. Allez, on y va. On descend bien. On souffle bien. On essaye d'être bien relâché. Allez, changer de jambe. Ok, on se redresse, on croise les bras et on descend devant. Soufflez bien.
Super. Allez. On passe cette fois-ci en sumo. Donc, on ouvre un petit peu les pieds, on les resserre un peu, on plie bien. Et là, avec les avant-bras, on vient ouvrir au niveau des adducteurs. Là, ici, hop là, on ouvre. Là, il ne s'agit pas juste de rester posé sur ses jambes, hein, de se reposer. Non, on essaie de bien travailler l'ouverture. Pareil, on souffle bien, on essaye de se détendre, de ne pas résister, hein. Sinon on empêche les muscles de s'assouplir. On est bien détendu. Ok, on passe au sol, en papillon. Pieds collés. Alors, on essaye de rapprocher le plus possible les pieds du corps. Et on bat des jambes. Allez, c'est parti. Garde le dos bien droit. Et tout doucement, on vient descendre la tête. Allez, sur les pieds. Évidemment, on essaye de ne pas trop reculer le corps. Hein, si je me retrouve, si je suis ici, hop, que je descends et que je fais ça, il n'y a plus grand intérêt. On reste bien collé. On se redresse, une jambe fléchie sur le côté. On attrape son pied avec les deux bras et on maintient la position. On change de jambe, même chose. Une jambe fléchie, l'autre tendue. J'attrape mon pied et je descends. On se redresse. Allez, on repasse debout et on vient écarter les jambes tranquillement. Voilà. On ne va pas tout de suite au maximum, on va s'arrêter là. Et là, doucement, on va venir chercher une fois devant, une fois au milieu, une fois derrière. Allez, c'est parti, on y va. Une fois devant, milieu, derrière. Et on revient devant. Hop. On enchaîne. Hop. Milieu, derrière. Devant, milieu, derrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Ok, on pose les mains, on écarte un petit peu plus. On essaie de garder les pieds bien parallèles. Évidemment, hein, on ne met pas les mains loin devant, sinon on les tire moins bien. Là, on vient garder les mains proches du milieu des jambes. Allez, on souffle. On maintient bien la position. On bascule sur les talons. Allez, on est presque en grand écart pour ceux qui arrivent. On souffle bien. Ça revient petit à petit. Et on ramène les jambes. Allez, doucement, on remonte. On secoue un petit peu. Donc, on va étirer un petit peu les quadriceps, donc hop, on attrape un pied. On en profite pour bien travailler son équilibre. On regarde devant soi, quelque chose d'immobile si possible. Changer de jambe. Et on relâche. Ok, bien. Allez, on va passer à nos coups de pied maintenant. Donc là, on se met. On va chercher notre chaise.
on va utiliser la chaise directement. Donc, on va faire les deux versions. Pauline fera la version avec la chaise et moi je ferai sans la chaise. Donc, je vous montre d'abord l'exemple. La chaise, selon votre taille et votre souplesse, vous la mettrez dans un sens ou dans l'autre. Si jamais vous n'êtes pas très très grand ou pas très très souple, on va mettre la chaise dans ce sens-là. Là, on va travailler en coup de pied-marteau. L'idée, hein, ça va être de passer par-dessus la chaise en passant sur le côté et d'atterrir, hop, de l'autre côté. Je rappelle, hein, le coup de pied-marteau, on monte bien le genou, ici, hop, et on redescend. Si jamais vous êtes plus grand ou plus souple, et bien dans ce cas-là, on met la chaise comme ceci, comme ça il y a un petit peu plus de difficulté. Là, hop, et j'atterris de l'autre côté. D'accord ? Donc, là on sera en position, et on va faire simplement 10 coups de pied marteau par-dessus la chaise d'une jambe, ensuite on fera l'autre, et après on enchaîne. Donc Pauline, tu choisis quel côté ? Le petit ou le grand ? Moi je préfère le grand. Ok, on va reculer un petit peu la chaise pour qu'on la voit bien, voilà, super. Position de combat, vous commencez avec la jambe que vous voulez, l'idée de toute façon, hein, c'est après de changer de jambe. Allez, normalement vous êtes prêts, si vous aviez bien préparé votre chaise à l'avance, c'est facile à mettre en place, on y va. Et 1, et on se replace en position de combat. On garde la même jambe pour le moment. Et 2, et on redescend. Si vous n'avez pas de chaise, si elles sont toutes prises par tous les membres de la famille, ben vous faites comme moi, vous le faites dans le vide. Et 3, et on revient. 4, et on revient. 5, on se replace, on est toujours en garde. Hein. 6, 7, 8, allez, on garde le rythme. 9, et 10. Ok, on change de jambe. Allez, l'autre, même chose, on passe par-dessus la chaise. Évidemment, là, bah, si vous vous rendez compte que vous êtes moins souple d'une jambe que de l'autre, on switch hein, la chaise, on la met dans l'autre sens. J'espère hein, qu'à tous les cours, vous avez bien travaillé les deux jambes, vous devez être aussi fort de la jambe droite que de la jambe gauche. Allez, on y va. Non, c'est pas le cas. Si, 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 tous, tous. Allez, 1, et on se replace. 2, et on se replace. Allez, on vient en garde, 3. 4, on travaille, hein, on démarre le coup de pied, jambe fléchie, hein. On part pas comme ça, hop, en jambe de pirate, pas de jambe de bois, allez, jambe de bois, 5, allez, 6, et on revient, on expire sur la fin, 7, 8, 9, et 10, ok, très bien. Allez, on souffle un petit peu, on relâche les jambes. Et là, regardez, cette fois-ci, on va changer, on va travailler en aller-retour. Donc, là, je me mets en position. Et on va faire 1, je passe de l'extérieur vers l'intérieur, je rebondis, et tout de suite, hop, je repasse dans l'autre sens. 1 et 2. Allez, retour. 10 fois d'une jambe, 10 fois de l'autre. Si jamais vous êtes deux, hein, vous pouvez mettre votre poing aussi hein, devant l'autre. Allez, en position de combat, pour 10 allers-retours. On commence, allez, 1 et 2, et on revient. 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, on tient. On s'accroche, on garde le rythme. 9, et 10. Ok, on change de jambe. Allez, même chose, c'est parti. 1, et on revient. 2, 3, 4, 5, allez, on souffle bien sur la descente, 6, 7, on tient, 8, 9, et le dernier,
Et 10. Ok. On relâche. Ah, ça doit piquer un petit peu. On souffle un petit peu. Et dernier exercice. Coup de pied poussé. Là, cette fois-ci. 1. Je monte. Boum. Je plie et je ramène. Je pose. Et là, pourquoi on utilise la chaise? Évidemment, normalement, vous êtes tous capables de mettre un coup de pied poussé au niveau du ventre ou du plexus, mais là, si vous ne ramenez pas bien la jambe, ici, 1, bam, après, je m'écrase sur la chaise, c'est pas bon. Là, la chaise, ça nous force, ici, à faire 1, je ramène, et je pose. D'accord? Allez, 10 de chaque jambe, on est prêt? En position, et 1, on pousse, on ramène, et on revient. Et 2, on pousse, on ramène, et on revient. 3, hop, et je reviens. 4, hop, et je reviens. 5, 6, 7, 8, allez, on tient un peu les mains, on ne reste pas la chaise. 9, attention, qu'est-ce que ça va être de la jambe gauche? Et 10. Ah non, je suis sûre que la jambe gauche. Ah, ok. Bien, avancez un petit peu, c'est trop près. Allez, en position. Pour l'autre jambe, c'est parti. Allez, ninja, 1, on pousse, on ramène. Comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez la tourner, la chaise, si c'est trop difficile. Voilà, là, regardez, si la chaise, on la met dans ce sens-là, vous pouvez vous dire que votre objectif, c'est de taper ici et de ne pas vous écraser là. On tape et on ramène. Boum. D'accord? On s'adapte. Nous, on ne vous demande jamais hein, de réussir tous les exercices du premier coup, évidemment. Sinon, bah, au bout de 2 mois de taekwondo, vous seriez tous ceinture noire. Ce qu'on vous demande, par contre, c'est d'essayer de faire votre maximum sur chaque séance. Allez, hein, l'objectif, c'est j'arrive au cours de taekwondo, que ce soit en ligne ou dans la salle. Quand je sors, que j'ai fini ma séance, j'ai progressé. Même si c'est qu'un tout petit peu, je suis meilleur que quand j'ai commencé. Allez, on avait fait 2. Allez, c'est parti. 3, on pousse, on ramène et on revient. 4, on pousse, on ramène. 5, on pousse, on ramène. 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh, on prend bien son temps pour bien faire son mouvement et pas toucher la chaise. Ok. Allez, on relâche. On souffle un petit peu. Là, c'est bon pour le moment. On en a terminé avec la chaise. On la reprendra tout à l'heure. Vous pouvez la laisser sur le côté. Hop là. On va tout de suite faire une petite pause. Là, on a bien bossé les jambes. Très rapide la pause, hein. 2 minutes, pas plus, on boit un coup, on souffle et on reprend tout de suite pour les circuits où on va mélanger travail musculaire et technique. Allez, à tout de suite. Ok, bien, on a fait une pause rapide, là on enchaîne sur les circuits, donc on va travailler 3 circuits, à chaque fois vous devrez faire 3 tours, ok? On essaye de bien tenir jusqu'au bout. On mélange renforcement musculaire et les techniques qu'on a vues aujourd'hui. Là, très peu de matériel, hein. Juste une raquette ou un coussin et c'est tout. Ça suffira. Le reste, on fera du renforcement musculaire au poids de corps. Donc, ça sera sans problème. Je vous montre le premier circuit. Donc là, c'est Pauline qui va me tenir la raquette. On va alterner à chaque fois. Je commence. Donc, pour démarrer, on fera 20 secondes de chaise. Donc là, vous vous mettez contre un mur, on reste à 90 degrés. Là, on compte, allez, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20. Okay? Dès qu'on a fini la chaise, hop, on se redresse en position de squat. Et là, ici, j'en fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tout de suite, je me mets en position de combat pour 4 coups de pied marteau. Et j'envoie ici, 1, 2, je me replace, 3, et 4, et je finis en bien. Ensuite, nous, on va alterner. C'est moi qui prends la raquette.
vous faites une petite pause et on vous donne le top à chaque fois. Ok? C'est parti, Pauline, en position, donc là, même chose, hein, à vous. Vous commencez à vous mettre en position quand je vous dis top et c'est moi qui compte l'avancement. Allez, bien à 90, top, allez, 1, 2, 3, pas de main sur les cuisses, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça va faire moitié, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, on se relève tout de suite pour 5 squats. Allez, 1, 2, 3, 4, on descend bien, et 5, voilà, en position, coup de pied marteau, 1, 2, 3, et le dernier, 4, ok, on souffle. Allez, on vient de prendre la raquette, vous soufflez 10 secondes, là on peut déjà commencer à se placer, même chose, là c'est moi qui travaille, donc c'est Pauline qui va compter. Allez, normalement, on ne prend pas trop de récupération, on alterne, mais vous, hein, vous enchaînez. Allez, c'est parti. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, proposition, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ok, allez, même chose, vous soufflez 10 secondes. On se met en position. Alors, on va même faire 4 tours en tout. Allez, c'est parti, top. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, en position pour les squats, on descend bien, on garde le dos droit. 1, 2, 3, 4, 5. Position de combat. Allez, go, c'est parti. Allez, 1, 2, 3 et 4. Ok. Allez, on se rajoute un petit tour parce que c'était quand même pas très très dur. On enchaîne tout de suite. Quatrième. Allez, en position et top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, en position. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, allez, on relâche un peu les jambes. On a fini le premier circuit. On va attaquer le deuxième. Donc, là, pareil, je vous montre l'exemple et ensuite, on enchaîne. N'oubliez pas, si vous n'avez pas de raquette, vous pouvez quand même travailler dans le vide, hein, sans problème. Deuxième circuit, je vous le montre. Donc, là, on se mettra en position de squat, mais on va rester en bas 10 secondes. D'accord ? 10 secondes sans bouger. Même si les jambes tremblent, on résiste. Quand on a fini, les 10 secondes debout, cette fois-ci, 10 montées de genoux. Bam, 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 rapide. Et ensuite, à la raquette, coup de pied poussé, tu peux t'avancer un petit peu, voilà. Là, ici, je pousse, je reviens. 2, comme tout à l'heure, 3, et 4. Et on pose. Et on enchaîne. Allez, c'est parti. Pauline, donc, pour le premier tour. Là, c'était que les explications. En position, t'es prête? Ouais. Allez, top. Allez, 1, on pose pas les mains sur les jambes. 2, 3, 4, 5, 6, le bien droit. 7, 8, 9, 10. Allez, pour les montées de genoux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Position de combat. Allez, 1, 2, 3, et 4. On souffle 5 secondes, mais on alterne. On change les rôles, en position. Évidemment, si vous entraînez à deux, hein, au lieu de faire 4 tours, vous devez en faire 8. Hein, c'est 4 par personne.
Allez, c'est parti, Pauline, tu comptes pour moi? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, en position. 2, 3, 4. Oh, ok, toujours l'attitude à la fin. Pas mon verrouille, ça garde. Allez, on est prêt. On enchaîne. Troisième tour. En position, quand tu veux, les coudes, on enlève, le dos droit et top. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, montez le genou. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Position de combat. Allez, 1, 2, 3 et 4. Ok. On souffle, on a fini 3 tours. On passe donc au quatrième. Allez, tout de suite, là, on prend pas beaucoup de temps de repos. On y va, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Ok. Très bien. Fin du deuxième circuit. Évidemment, si vous en voulez plus, soit vous augmentez le temps, par exemple sur la chaise, vous passez à 30 ou 40, les montées de genoux à 20, etc. Soit vous rajoutez des tours. Au lieu d'en faire 4, vous en faites 5, 6. Ça, après, c'est à vous de voir comment vous vous sentez aujourd'hui hein, et ce que vous voulez donner comme énergie dans votre séance. Troisième tour. Là, ici, on va se faire des burpees. Pompe américaine, donc je descends en squat, je pose mes mains ici, d'accord, je passe en pompe, une pompe, je saute, je ramène les mains et je saute ici, ça fait 1, on va en faire 4 et ensuite tout de suite en position de combat, 2 marteaux, 1, 2 et 2 coups de pied poussés, 3, et 4. D'accord ? Allez, on est prêt ? Pauline, c'est parti. Quand tu veux, je les compte. Ok. Allez, top. Allez, 1. Et on saute bien haut. Et 2. Allez, on s'accroche. Et 3. Et la dernière, on souffle bien. Et 4. Position de combat, tout de suite, on enchaîne. 1. 2. 3 et 4. Ok, on récupère un petit peu. Leur piste, ça fatigue un peu. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Tant qu'on est bien chaud. Allez, go, tu comptes. 1, 2, 3, 4. Allez. 1, 2. Ok. On souffle un petit peu. On récupère 10 secondes. On se prépare. Allez. Vous n'avez pas beaucoup de repos. Hein. Allez, on y va. Alors, on donne tout. C'est la fin de la séance. Allez. Et 1. Et 2. Et 3. Allez, on y va. Et 4. Position. Allez. 1. 2, 3 et 4. Ça y est, t'as fini les burpees. Allez, reste un dernier tour. On le fait ensemble. On s'accroche. Hein. Je vous laisse 5 secondes pour souffler. Ensuite, on est prêt. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3. 4. Allez. 1, 2, 3 et 4. On souffle. Fin des circuits. Bravo à tous. C'est très bien. Vous pouvez poser votre raquette et votre coussin. On récupère. Ça fait du bien. Hein, c'est bien chaud. Je ne sais pas si chez vous il fait chaud. Chez nous, il fait terriblement chaud.
Ce que vous ne voyez pas, forcément, à moins peut-être sur l'historique, Cédric vous envoie. Mais il y a les flashs autour, il y a les lampes, et il fait extrêmement chaud. Ok, ça chauffe bien la pièce. Plus nous qui faisons du sport. Ok. On termine, renforcement musculaire pour les abdos. On les a pas beaucoup bossés. On a surtout fait du travail de jambes ou de haut du corps avec les pyramidales en début de séance. Et là, les squats, burpees, etc. Abdominaux. Donc, là, on va travailler. On va faire deux séries. Ça va être assez simple. Je vous montre. On va commencer à travailler en crunch. Donc ici, jambes à 90 degrés. Pas la peine à chaque fois de remonter jusqu'en haut. Hein. La zone de travail, elle n'est pas là. Il faut que vous n'ayez pas les épaules au sol et qu'on remonte, hop, ici, ça suffit. On va en faire 20, comme ceci. Tout de suite après, on va faire 30 secondes de gainage. 30 secondes. Petite pause, ensuite on enchaîne sur d'autres abdos et gainage. Et ça sera la fin de la séance. Allez, c'est parti. Je vais juste préparer le chrono. Hop, et voilà, on est bon. Allez, attention, pour les crunchs, Pauline, tu peux rester comme ça. Moi, je vais me mettre sur le côté, comme ça, tout le monde voit bien. Allez, on y va. N'oubliez pas, si vous avez un peu mal au dos, on prend le tapis. Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5. On ne pose pas la tête. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Allez, tout de suite, on passe en gainage et top, c'est parti. Allez. Allez, on le fait ensemble. On tient, on reste bien droit. On a fait un tiers. On tient 30 secondes, normalement, ça va. Tout le monde les tient. On a fait la moitié. On s'accroche. Soufflez bien. Allez, il ne reste plus grand chose là. Personne ne lâche. Allez, on tient bien. 5 secondes à tenir. Allez, 2, 1, et on pose. On souffle un petit peu. On récupère. Pour l'instant, je vous explique le prochain exercice. Prochain exercice ici. Donc, vous serez allongé. Et là, on viendra ici chercher hop, les tibias. D'accord ? Alors, si c'est trop difficile, on pose les jambes. Ce qui arrive, on décolle la tête, on décolle les pieds, on tient ici, on attrape et on redescend. On attrape, on redescend sans jamais poser. D'accord ? Là, ça va aller, on va en faire une dizaine. Pareil, je me mets sur le côté, tu te mets tout droit, Pauline, tu peux te décaler un tout petit peu. Voilà, super. Allez, on y va, en position, c'est parti, et top, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, ok, tout de suite en gainage, allez, en position, pareil, même chose, 30 secondes, allez, top, c'est parti. Allez, on tient, on arrive au bout, c'est bientôt la fin. On s'accroche. Allez, on a fait un tir encore, allez, c'est bon. Fin de séance, là, on est bien chaud. C'est les derniers abdos. On donne tout, il reste 10 secondes. Allez, personne ne lâche. Hein. On tient, 5 secondes. Et top, ok, super, allez, on se redresse, bravo, vous avez bien tenu, félicitations, si jamais vous en voulez encore, au niveau des abdos, hein, vous remettez la vidéo en arrière, et on repart sur une nouvelle série. Allez, on met bien son dos-bok, on se rhabille correctement, on se prépare pour le salut. Bon, ça t'a plu, Pauline? Ouais. C'est cool. Content de t'entraîner avec nous? Oui. Super. Bon, bah, tu pourras revenir après. Avec plaisir. Allez, on y va pour le salut. Ciao. Tchun. À la semaine prochaine, les enfants. Reposez-vous bien.
Et donc on se retrouve normalement bientôt, hein. A priori on va pouvoir reprendre les cours tous ensemble, en tout cas pour les mineurs, on vous envoie les infos dans tous les cas. Et nous, en tout cas, tant qu'on ne reprendra pas les cours, on sera toujours présent sur YouTube pour vous faire les séances en ligne, en espérant vous retrouver très vite quand même. Allez, au revoir les enfants, à la semaine prochaine.